Salut à tous, c'est Magimosis. Alors, grande surprise, j'ai vu qu'il y a Pains la nuit. Alors, juste avant, j'étais sur une partie où il y avait Pains avec les captures de coffre. Donc, je me suis dit, c'est bien, je vais filmer ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Sauf que, j'ai dû encore refaire tous les profils. Alors, je sais pas ce qui se passe avec les profils, mais il faut les refaire à chaque fois, c'est vraiment énervant. Donc, mais c'est pas grave, donc là, je vais faire cette vidéo, donc je suis en track avancé. À Pienza et la nuit, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris le médecin avec la couleur alternative 2, il est un peu rouge comme ça, très menaçant, et l'équipement supérieur. La partie va commencer et on va visiter un peu la carte. Ça va être la nuit, on va pas voir grand chose. Alors, comme j'ai déjà fait la carte, je peux vous dire ce que ça donne. En fait, ça fait un peu. C'est un peu un mélange de. Je dirais en termes de jouabilité, c'est un peu entre Rome et Florence, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu Rome dans le sens où il y a des petits passages, il y a des endroits, il y a des souterrains, on peut passer. Et puis ça fait un peu Florence, ces places-là. Et puis on grimpe quand même un peu sur les toits. Alors là, faut que je me fie parce que je suis quand même en track avancé, c'est pas évident. Sur ces cartes-là, c'est jamais très facile. Mais voilà, je fais vraiment ça pour découvrir la carte, enfin pour vous la faire découvrir. Et là, juste au-dessus là. Vraiment. Alors, donc là je vais me faire peut-être tuer, non. Voilà. Alors est-ce que c'est. Non. On va prendre la même chose. Ouais. Je vais essayer de me servir du poison quand même un peu. Alors, je vais peut-être monter sur la hauteur pour vous présenter la carte. Je sais pas trop. Il y a une sculpture là. Enfin, une statue, pardon. Pas mal. Et là, on monte sur le palais communal, je crois, si c'est ce que j'ai bien compris. Ils avaient donné des noms, là, enfin. Ubi Gabe là, au moment de la présentation. Donc sur les toits je risque pas grand chose hein, vu que je suis en track avancé. Et ça permet de me localiser ma cible, c'est là que le pistolet serait très bien. Parce que sinon je vais me faire. Là je pense qu'elle m'a déjà vu mais. On va faire comme ça. Je serai tranquille. Alors. Donc on a vu un petit peu la ville, donc c'est sympa là qu'ils aient fait directement la nuit. Alors moi ce que j'attends vraiment c'est Florence la nuit, puisqu'on avait vu dans le trailer de lancement, on avait vu le médecin qui tuait une courtisane la nuit, quelque chose comme ça, à Florence. Et aussi Venise la nuit, parce que Venise la nuit c'est ce qu'on voit dans la requin. Je sais pas si, bon ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est un barbier mais bon, on sait jamais. Qui vaut ma mort. Il va me tuer. Merde. Pardon. Mais c'est un peu énervant. Je suis sûr qu'il voulait me tuer. On voit la façon dont il marche, qui marche vite. Ah. Bon, je vais sans doute pas faire une bonne partie. Hein, parce que là, je découvre. J'essaie même pas de bien jouer. Hein. J'essaie de me déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais faire une vidéo où on la voit de jour, vous inquiétez pas. Enfin, on voit quand même pas trop mal. Hein. C'est vrai que ça. Le fait qu'on puisse. Les monuments, ça change beaucoup le gameplay en fait. Et c'était un peu ce que voulait Patrice décider au moment où elle a créé Assassin's Creed. C'était que chaque immeuble, chaque bâtiment soit une part du gameplay. Voilà. Et son souhait a été réalisé, je pense. Non. Oh, elle est bien améliorée l'Arlequin. Ouais bah c'est ce qui nous arrive quand on joue comme ça. Hein. Je vais prendre. Ah mais j'ai pas si c'est là. Track. Donc là j'ai mis des noms à toutes mes classes, mais en espérant que ça va pas disparaître encore une fois. Je me suis fait une classe commune pour le mode chasseur de trésor, parce que c'est vrai que rien qu'avec le déguisement, on se débrouille pas trop mal. Et non, je ne suis pas ton poursuivant. Alors, où est ce barbier?
au-dessus, comme d'habitude. Il est toujours en train de grimper, lui. Moi, je grimpe pour voir le paysage. Hein. C'est pas évident de grimper sur les colonnes, là. Alors, t'es où cette fois? Il est là-haut. J'allais pas me fatiguer. Ah, j'ai pas un souci. Tiens. Je vais vérifier ça. Si, si, voilà. Alors, on va attendre un peu, parce que là, j'ai pas fait les très bons trucs, donc je préfère attendre un peu, voilà. Je peux toujours essayer de faire une petite humiliation. Ma cible se rapproche de moi, donc c'est parfait, je ne bouge pas. Alors. Bon, le bourreau. Flûte. Ah, il est mort. Voilà. Un petit médecin en groupe, c'est parfait. Et il est derrière moi, c'est encore mieux. On soupçonne toujours celui qui est derrière dans le groupe. En plus, je me rapproche de ma cible. Là, par contre, waouh, 600 points. En espérant que je me suis pas fait voir par l'Arlequin. Si, je me suis fait voir par l'Arlequin. Bon. Je voulais pas gâcher ma fumigène, c'est un peu idiot hein, de dire que je veux pas gâcher. Oh là, pardon, la caméra est tombée. Je sais pas comment faire, bon. Je sais pas si ça va tenir. Elle est tombée. J'essaie de faire en sorte que vous voyez tout le HUD. Bon, on voit un peu le bord de l'écran, mais c'est pas grave. Alors, pour continuer notre visite de la carte, alors je ne connais pas cette ville, je sais pas si elle existe en vrai, je suppose, mais je la connais pas du tout. Parce que voilà, ce serait amusant par exemple de Venise de comparer. Alors Venise c'est assez éloigné hein, de la place Saint-Marc. C'est pas vraiment bien fait. Mont-Saint-Michel apparemment la carte est assez fidèle. Et donc là donc, je peux pas dire. Hein. En général ce sont des cartes assez représentatives. C'est-à-dire que Sienne, la place du Palio n'est pas aussi grande. Toujours comme ça qu'on se... Ça fait peu de points, mais bon. Quand on n'a pas de solution, c'est ça. Hein. C'est ça qui était amusant tout au début dans le multijoueur, quand on jouait à la bêta, c'était vraiment de voir tout le monde s'assassiner comme ça. Et... pas grand chose à dire à propos de cette carte. Hein. Alors j'avais trouvé à un moment il y avait un souterrain, on passait, je sais pas où c'était, je crois que c'est par là. Bon là je vais pas trop faire l'idiot parce que j'arrive près de ma cible. Alors elle est pas là. Ah, ok. J'ai bien fait de pas prendre de poison parce que là ils se déplacent tous rapidement, c'est pas évident. Bien que on peut empoisonner les gens en courant. D'ailleurs c'est un défi de. Si rien ne sert de courir, il faut empoisonner 3 personnes au coin de cours. Je l'ai déjà réussi, bon il faut que j'en fasse d'autres avant de. Faut que j'en fasse d'autres avant de pouvoir débloquer, je sais plus ce que ça va être le poison foudroyant il me semble. Oula. Bon. J'ai quand même 2 poursuivants. Ouais, je suis premier, je m'étais même aperçu que je suis premier. J'ai même pas entendu le vous avez pris la tête. Ah là là. Je pense que c'était mon poursuivant. Et alors là. Ok, bah c'est lui, c'était le seul bourreau. Bah, trop tard, mon vieux. Et moi, j'ai un médecin. Oh. Et la requin avait aussi sosie. Ah. On va continuer là-dessus. J'aime bien le médecin comme ça en rouge. Hein. Pour une fois que je prends pas l'arlequin ou l'officier. J'aime bien le prêtre aussi. Le prêtre j'utilisais beaucoup pendant la bêta. Bon après c'est un peu psychologique, hein. Tous les personnages agissent pareil, mais je trouvais que je jouais bien avec le prêtre quand j'étais sur Castel Gandalf. Ah c'est bizarre, tu t'es arrêté. Merde. J'ai oublié que j'avais pas étendu en fait. Là je vais mourir. Oui mais attendez, c'est un peu d'arnaque cette histoire. Et moi j'ai mal le couteau de lancer qui blesse mais qui s'arrête pendant 5 secondes comme ça.
Bon, c'est toujours l'Arlequin Loki 985 niveau 50 qui est première. On va monter là-haut comme ça. La fumigène va servir à quelque chose. Alors à propos, j'ai pas fait de vidéo avec le Mont Saint-Michel, il va y en avoir. Hein. Après, il faut trouver les conditions. Voilà, moi il y a Mont Saint-Michel jour, Mont Saint-Michel nuit. Là, il faut que je trouve l'Arlequin qui doit être quelque part. Il y en a une là, mais non. C'est ça qui est en très avancé, c'est que la boussole est quand même très très large. Depuis tout à l'heure, je te demande. Ah, et mon poursuivant ici. C'était qui? Et où est l'Arlequin? Bon, c'est bizarre. J'ai vu le rond et. Je crois que c'était un officier. Bon. Voilà, c'était juste pour présenter la carte. Bah. Bientôt d'autres vidéos.